Salut, je peux toucher ta saucisse? Quoi? Ton chien. Oh! Ouais. Je peux vous aider? Je voudrais adopter un chien. Oh, ouais, d'accord. Voilà. J'adore ce dessin animé. C'est un animé. Ouais, c'est animé, c'est ce que j'ai dit. Excuse-moi, on n'a pas terminé. Oh, désolé, désolé. Alors, quel genre de chien vous voulez adopter? Franchement, je voudrais les adopter tous. Lequel est le plus barge? Le plus déséquilibré, c'est Milo. C'est lui, Milo. Notre plus ancien pensionnaire. C'était un chien renifleur de la police, mais ils ont dû le mettre à la retraite forcée parce qu'il est devenu accro à la C-O-C-A-I-N-E. La cocaïne? Milo, non! Milo! 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 Et dès qu'il entend ce mot, ça le déclenche. Désolé, Milo, j'ai tout sniffé. Tout va bien, tout va bien. Je vais devoir vous poser quelques questions, histoire de savoir si vous êtes une bonne candidate. On le fait avec tout le monde, c'est la règle. Ah, comme ça, on aime suivre les règles. Ouais, c'est super important. Mmh. Et donc, il y a genre un bureau ou un endroit un peu plus tranquille? Il y a un bureau, ouais. Suivez-moi, c'est par là. Génial. Maddie Barker. Je me sens super loin de toi. Vous êtes mariée? Je suis célibataire ces derniers temps. Quelle chance d'ailleurs, comme ça je m'éclate à fond, tu vois, je peux être spontanée. Célibataire? Des enfants? Non, quelle horreur, non, trop jeune. Je fais la fête, je rencontre plein de monde, j'adore ça. Sans enfants? Pourquoi vous voulez adopter un chien? Parce que j'arrive pas à en avoir. Et que ferez-vous du chien en cas de déménagement? Je vais pas déménager. Si ça vous arrivait? Je vis ici depuis que je suis née, je partirai jamais. Oh, désolé, je voulais pas être intrusif. Oh, s'il te plaît. Sois super intrusif. Oh, mais non, déjà si tard. Ok. Désolé, je dois envoyer le formulaire d'adoption à mon superviseur. Oh, s'il te plaît, tu dois avoir plus de questions que ça. Oui, j'en ai d'autres, mais il faut que je ferme. Alors, ouais, vous pouvez revenir un autre jour. Je voudrais peut-être pas de chien un autre jour. Je veux un chien maintenant, tout de suite. Je crois que vous êtes pas faite pour l'adoption. Vous m'avez plutôt l'air d'être le genre de personne à qui généralement on évite de confier un chien. Tu veux que je te dépose chez toi? On pourrait peut-être discuter. T'es sur ma route. Comment vous savez où je vis? C'est tes parents qui me l'ont dit. Quoi? C'est sur ton cartable. Tout est sous contrôle? Hey Crispin, tu peux me rappeler ce que dit le règlement sur les horaires? C'est super pas possible de partir avant la fermeture, hein. Ce serait genre mal perçu. Oh, c'est bon, allez, viens! Ok. Ok. Tu peux finir tout seul, non? Je parie que t'en as l'habitude. Merci. Au revoir. C'est d'accord. Tu peux y aller. C'est votre voiture? Ouais, pour ce soir. En fait, vous savez, c'est dommage, mais je viens de me souvenir que je suis venu à vélo, alors... Alors du coup, je vais rentrer à vélo. Attends, j'ai une idée. On n'a qu'à le mettre à l'arrière. Et toi, tu montes devant. Oh, c'est bon, je mords pas. Sauf si tu préfères. Ok, mais interdit de mordre. Mais bon, ouais, évidemment, j'ai couché avec 2-3 meufs. Où est l'autre partie de ma ceinture? C'est une 2 points. Imagine que t'es dans un avion, moi, je suis ton hôtesse. Pourquoi ce serait l'hôtesse qui piloterait?
Parce que j'ai tué le pilote et que j'ai détourné l'avion, t'es mon otage. C'est pas le bon chemin. C'est un raccourci. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Sérieux, notre génération et nos téléphones. Nous y sommes. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Une petite surprise. Oh putain! Pourquoi? Vous avez essayé de me kidnapper! Te kidnapper? T'as 19 ans, grandis un peu! Vous m'avez mis dans un van et vous avez pris mon téléphone! C'était un kidnapping, tu crois que j'aurais donné mon nom et mon adresse? Oh, t'aurais pu utiliser ton sifflet anti-viol plutôt! Pourquoi j'aurais un sifflet anti-viol? Pourquoi t'as une lacrymo, putain? Oh, désolé. Tu me donnes le tuyau, s'il te plaît. Il est cassé. Le robinet est ouvert. Il faut ouvrir le robinet. Tu te fous de ma gueule. Je pensais qu'il était déjà ouvert. Le robinet. Ok. C'est pas vrai. Arrête, bordel. Arrête de m'asperger. Je suis désolé. Je voulais aider. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardon. Désolé, j'ai pas compris ce que vous me vouliez. Je te trouvais super canon. Qui c'est à moi? Ouais, je te trouve super canon. Alors, peut-être qu'on devrait aller au resto. Je me change en vitesse. Oh non, je voulais pas dire maintenant. Mais peut-être demain. Genre, on se donne rendez-vous. Oh. Ouais, ce serait mieux. Ok. À demain alors. Merci pour le trajet. Au revoir.